Mamie, c'est toi! Pourquoi un combat Pokémon, mamie? Non, je croyais que... Vous n'êtes pas ma mamie? Venez les mecs, on tue la mamie de Fildrong, on va bien rigoler lol MDR lol. 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 Yo les trashers, on se retrouve aujourd'hui dans le quatrième épisode de Pokémon Insurgence et regardez, je sais courir maintenant. On vient de sortir de la forêt et j'ai entraîné mes Pokémon parce qu'on m'a dit Fildrong, ce jeu est extrêmement difficile. Donc voilà, distinguer Anus et Anus sont tous respectivement niveau 16 et aujourd'hui le défi est très compliqué car si un de mes Pokémon est mis KO, eh bien il sera mort à vie. C'est-à-dire que je pourrai plus l'utiliser jamais, 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 jamais. Et il faut aussi que dès que j'arrive à une boutique, j'utilise cet argent pour... Enfin, tout mon argent pour utiliser... Pour acheter des trucs de merde, en fait. Midna Garden. What the fuck? Quel magnifique jardin, je suis là pour jouer avec mes Pokémon. Parfois je ramène ma fille. Genre, il laisse le... il laisse son Pokémon. Non, il ramène son Pokémon et sa fille, elle reste à la maison, tu sais. Oui, d'accord. Oui, les petits trucs, oui. D'accord. Elle va me soigner mes Pokémon, je suis sûr. Est-ce que tu as visité... Non. Oui. Oui. Waouh. Waouh, ok, parfait. D'accord, se reposer. D'accord, et vous passez par la grotte donc. Eh ben, dis donc. Oui, soigne mes Pokémon. Ça, c'est bien ça. Merci, à plus. Ah, les gens sont aimables à Midnaton. Je sens que je vais bien m'amuser ici. Putain, mais il y a encore des portes. J'espère que c'est la ville. Hein. C'est super loin. Hein. Le dernier Poké Center était super loin. Quand j'entraînais mes Pokémon, je devais me refaire toute la grotte, c'était super chiant. Oh non. Attends, j'ai pas d'antidote, hein, je vais mourir, non? Ah mais non, attends. Pourquoi il m'a empoisonné? Tiens, Anus ne peut pas être empoisonné, lui. Vas-y, Anus! Venge Anus! Allez! Ils ont déjà des... Oh là là, les dégâts magnifiques! Oh là là, Anus! Dis donc, tu tapes moins fort qu'Anus quand même! Allez! Oui, 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 oui! Il me baisse ma vitesse, hein. Il veut pas que je tape avant lui. Parce que ça change. Voilà, il m'a infligé 2 dégâts. Ça va me faire gagner plein d'XP, non? Ouais, niveau 17. Le problème, c'est qu'il me faut une pierre lune pour Anus. Je sais pas si je trouvais une pierre lune. Alors, on va voir s'il y a des dégâts de poison dans ce jeu. Oh putain, il y a des dégâts de poison. Ok, d'accord, il faut que j'aille à la grotte. Eh ben dis donc, c'était serré, il lui restait 5 points de vie là. Connerie de... Ça m'apprendra à pas avoir d'antidote. Ok. Oh bah dis donc, j'ai fait tout le chemin pour aller soigner mes Pokémon alors qu'il y avait la ville ici. Il y a un enfant qui voulait... trade des Pokémon, d'accord, super. On va explorer la ville. Oh mon dieu. Est-ce que c'est la statue du mec à queue de cheval? We're gonna show you today a really old classic comeback. The ponytail. The ponytail. Oh mon dieu, c'est une statue de queue de cheval, man. À mort la queue de cheval. Tiens, tu veux savoir ce que je fais à ta queue de cheval? Tiens. The ponytail. Voulez-vous activer les touches rémanentes? J'ai tellement spammé la touche mage. Non, merci.
encore une grotte à la con. La mine de Midna. C'est un combat, ça? Le mec te dit juste écoutez, il faut que je fasse attention à pas tomber dans le noir, et puis après il te défie. Oh oh, il a fait bide. Bide. Tu fais un bide. Ah, Forum 15-18 représente. Hop! Noël! Noël! C'est quoi l'autre? Je crois qu'il y en a un troisième. C'était vraiment très intéressant. Ah mais si, il y a un Pokémon Center. Oh, on va pouvoir dépenser notre argent. Oui, parce que j'ai noté qu'en fait le shop était en haut. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller acheter. Parce que moi, par exemple, j'en ai marre d'être en pyjama. Donc on a dit acheter des objets inutiles. Et là, il y a un marchand de clothes. Donc voilà, on va dépenser tout notre argent là-dedans. Oh oui. Oh, c'est génial ce truc. Oh, kawaii. Moi je suis émo, donc je suis obligé de porter ça. Il me faut un shirt aussi. Évidemment, on est tout en violet. Non, noir, parce que... Parce que la mort... Vive la mort. Voilà, on est en train d'accomplir notre challenge. Et il me faut aussi des pants. Voilà. Voilà, des pants gris. Voilà, on va être tout en noir et en gris. Ah, ça je peux pas. C'est tout? Voilà. Oh, ce look que je vais avoir. Et je suis encore pieds nus, hein. Je suis pas foutu d'avoir... Regardez, c'est magnifique. La vie, c'est vraiment pas facile, les amis. J'en ai vraiment marre. Je sors du Pokémon Center, lieu de vie et de débauche. Mais moi, avec mon Pokémon, avec un crâne sur la tête, je vénère Satan. Ah. Donne Pikataxi. Oh. Il est immense ce monde. Le Pikataxi. Putain, mais laisse tomber. Et comment il passe? Il n'y a pas de route dans Pokémon. C'est vrai ça, il n'y a pas de route dans Pokémon maintenant qu'on y pense. Bon alors, il faut que j'aille là. Oh mon dieu. Où est cette fille? Où elle est partie? On peut pas commencer sans elle. Oh! Salut Choupette! J'ai eu un Evoli. Si tu veux, je peux te donner une pierre. Une pierre. Je suis plus vieux, mais je suis quand même déterminé. Oh! Fifou! Fifou! Les mots diable, Satan. Pardon. Oh, c'est mon copain. Tu devrais participer dans le tournoi. Oui. Hello. Je suis le teacher. Voilà, je vais t'apprendre. Ok, vas-y, c'est parti. On va faire un tournoi, vas-y, bien sûr. Allez, hop. Ah, il faut que je trouve Nora, d'accord. Je crois que je sais où elle peut être. Corde sortie, je vais pouvoir sortir avec la corde. Oh, il y a un parapluie.
je ne te donne même pas l'honneur de mourir. Oh! Hein? Pokémon le plus moche de la création, tu vas arrêter de me harceler, s'il te plaît, merci. D'accord. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'utiliser genre coupe ou genre de truc, ça c'est plutôt pratique, faut bien l'avouer. Solrock, alors ça je le touche pas, il évite, c'est malin. On va y aller avec Anus. J'ai foi en Anus. Ah non, je suis plus type plante, c'est vrai. Attends, le mec il a déjà. C'est un vrai combat, moi je fais vampirène et tout, je suis en stratégie, regardez. Genre ouais. Alors, ouh putain les dégâts. Bah je fais bien de me préparer hein. Regardez en plus il prend. Mais c'est fou les Pokémon. Mais mon dieu, mais calme-toi, c'est incroyable. Attends, mais je pourrais mourir au tour suivant. Vite, une potion. En plus, je suis limité en potion parce que j'ai utilisé. Non. Non. Oh putain, merci. Là, il m'a pas tapé. Je me suis trompé de cible de la potion, mon dieu. Non, mais et le truc est mal fait. On voit pas exactement où on veut aller, en fait. Je trouve. Bon, ça va. Psywave, c'est. Bon, c'est bon maintenant, là. Enfin, heureusement qu'il a fait Rock Polish. Hein. C'est quoi ces combats? J'ai 4 niveaux de plus, là. Par contre. Oh, non. Ah oui, si, beaucoup de. Oh, focus énergie, mais c'est de la merde ce move. Bon là je suis plus rapide que ce truc. C'est bon. Easy. Voilà. Allez hop. Non mais c'est dingue les dégâts quand même hein. Si je prends un coup critique, je suis mort hein. C'est fou hein. On va switcher parce que j'ai me fait un peu peur. Les combats sont hyper serrés, c'est incroyable. Bon bah on est bon pour retourner au Poké Center. Au bout d'un combat, on est bon pour retourner au Poké Center. Quand même dingue. Quel combat passionnant. Quand ton Pokémon dort. Allez, réveille-toi. Voilà, crève, allez. Merci. Ah bah dis donc. Pokémon Insurgence, joue à Pokémon Insurgence, Fildrong, tu verras, c'est cool, c'est dur. Joue à ça, putain. Les Pokémon sont niveau 13. Et je me fais laminer. Non, on va pas aller au Poké Center, on n'est pas des flippés. Mamie, c'est toi. Pokémon, mamie, non, je croyais que. Vous n'êtes pas ma mamie? Il vous faut mourir pour ceci. Wow. Évidemment, je rate mon attaque. Ah, ça m'a fait pleurer d'avoir retrouvé ma grand-mère. Et l'autre là, il est là, il me ruine. Avec son flabébé là. Waouh, alors par contre, le flabébé, oui, il est bien. Swirlix, c'est quoi déjà? C'est un Pokémon de type glace, non? Ah non, bah non, c'est un score de type fée. Waouh. «
C'est dingue ces Pokémon comme ils tapent fort quoi. J'ai l'impression de pas m'en sortir. Critique. Ce n'est pas très efficace. Merde. Qu'est-ce que je voulais faire ? Bon, et toi, c'est quand t'apprends des attaques bien parce que. Poison Sting, enfin, tu vois, c'est un peu triste quand même. Obligé de tuer des Pokémon d'Arvenin, quoi. Bon, heureusement, on a une bonne chance d'infliger des dégâts, mais. Enfin, d'infliger le poison, mais quand même. Quel combat, mes amis! Voilà, distingué niveau 18. Allez, Anus, c'est toi qu'on va entraîner maintenant. Bah, de toute façon, c'est le seul qui a encore des points de vie. Vous avez vu ce look? Oh, un Fampi! Ah, mais j'ai déjà. Ah, il me faut un Donphan, c'est pas possible. Mon dieu. Oh, lui, je le capture. Ça, c'est au cas où Distingué meurt, tu vois. Bon, parfait. On va capturer ce Pokémon. Avec une Super Ball. Parce qu'il mérite, hein. Ah, mais Fampi comme Pokémon, c'est. C'est Fampi, quoi. On va l'appeler. On va l'appeler du nom de l'idole de tous les enfants. Très classique, mais en même temps, toujours efficace. Waouh, ils sont swag. Ah, oh, ça c'est chiant par contre. On va se faire chier dans ce combat. Ah, c'est bon, non, c'est bon, je fais beaucoup. Moi, le problème, c'est que à chaque fois, je suis en mode stratégie, c'est-à-dire qu'en stratégie, tu vois un arcanin ou ce genre de truc, tu sais que pour le tuer niveau défensif, ça va être dur, quoi. Avec intimidation et tout. Mais je devrais arrêter de. Ponyta! Allez, distingué, fonce! Tu vas voir mon bon club. Waouh! Ça va faire mal ça. Ouais, ouais, mais moi je te fais encore plus mal. Bré. Bra bri bro bri bra. Bra. Voilà. Lit Léo. Très bien. Il a l'air complètement gogol. Pourquoi il louche? Qui a créé un Pokémon qui louchait sérieusement? Là maintenant, il y a 30 minutes de combat de merde dans la grotte et des allers-retours au centre Pokémon, alors je coupe. C'est dingue quand même. Regardez mon équipe. Tous mes Pokémon sont pratiquement morts. J'ai plus de potions en plus. Putain, le pire c'est que je suis à la fin de la grotte quoi. J'ai pas envie d'aller me soigner, ce serait tellement chiant. J'espère que je dois pas combattre la meuf hein. Ok, tous les fossiles sont en place. Tu peux le faire, Celebi. Wow. What the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a fait le... Oh là 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 là, il a fait un truc dans le temps, parce que c'est le Pokémon du temps. Il a invoqué des Pokémon fossiles. Armaldo, Bastiodo, Kabutops, Somas... Eh ben dis donc. Wow, wow, wow. Salut. Je ne sais pas qui tu es. Mais tu ne devras pas le dire à quelqu'un. Ah, je suis le diable, qu'est-ce que tu crois? Miaou. Oh, oh. C'est Miaou, il revient. Coucou Miaou. Oh, ils sont copains. Tu as été choisi par Miaou et toi t'as été choisi par Celebi. Peu de gens le savent, mais il y a longtemps, il y avait une prophétie à propos de Tauren.
Personne ne sait pour qu'est-ce qui sait qu'est-ce que quoi. Mais ça parle des cultes et de l'augure. Il dit qu'un dresseur choisi par un des Pokémon légendaires, Primo Kyogre et Primo Groudon et Mega Aracarasa, serait celui qui trouverait et défaiterait le culte. Il dit aussi que Mew aurait une flûte là où vous savez. La musique va pas du tout avec. Eh, bienvenue, c'est DJ Patrick, on s'enjaille ici à Ibiza. Allez, tout le monde danse, c'est les années 90 Revival. DJ Patrick, fais péter le son, Chantal. Les gens étaient terrifiés. Personne ne savait qui était ce héros. Mais le premier augure est arrivé, il nous a protégés, il était incroyable, il a tué la moitié des cultes. Mais il a disparu, les gens pensent la prophétie, c'était sur lui. Parce qu'il était ami avec Oupa, un Pokémon légendaire, Oupa. Mais il est parti, personne ne sait où il est, l'augure numéro 2 a pris sa place, et je pense pas qu'il a été choisi par quelqu'un. Oui, c'est un tyran. C'est pour ça que personne ne peut savoir à propos de Celebi. J'ai peur qu'il vienne après moi, bla 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 bla. Je pense pas que je suis l'héros, mais si Mew te choisit, la prophétie pourrait être à propos d'un de nous. Il peut y en avoir d'autres. Tu ne peux pas. Oui, d'accord. Parce que si Mew rejoint mon équipe, pendant ce temps-là, les deux, ils sont. Putain, mais. D'accord. A plus. Le tournoi. Allez, hop. Oui. Oui! Ta gueule! Oui, on a besoin d'entraînement, putain! Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce Pokémon Insurgence. Vous pouvez liker, commenter la vidéo si vous voulez en voir plus, évidemment, blablabla. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et à la chaîne Pokémon Trash. Pourquoi j'ai dit ma chaîne? Excusez-moi, c'est un réflexe. À la chaîne Pokémon Trash, évidemment. À ma chaîne aussi, mais moins que Pokémon Trash pour l'instant. Surtout que j'ai commencé des let's play sur ma chaîne. Donc vous verrez, vous n'avez qu'à aller voir d'ailleurs let's play sur Pokémon Révolution Online. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et on a perdu 0 Pokémon, mais on a acheté des cornes du diable. Donc voilà, allez, tchuss.